Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai de nouveau la possibilité de pouvoir poster. Il faut savoir que depuis 3 jours, 2 jours, je pense, ouais, c'est ça, je n'avais plus la possibilité de poster pour incitation à la haine. Donc, j'incite à la haine avec mes posts. La LICRA avait fait une réclamation sur un post que j'avais sorti concernant le rabbin Touati, un truc de ce genre. Il n'est pas le seul, hein. Ils sont nombreux, mais là, c'était juste à son sujet et au sujet de quelqu'un d'autre que j'avais sorti un post pour dénoncer. En fait, j'ai dénoncé le raisonnement de ces personnes qui souhaitaient que ce qu'ils appellent Sodome et Gomorre, c'est-à-dire l'Occident et l'Orient, se détruisent pour que le Mashiach arrive. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé anormal et que j'ai publié pour dénoncer et non pas pour inciter à ce que Sodome et Gomorre ou bien les musulmans et les chrétiens se détruisent, quoi. Moi, c'était de la dénonciation. Un peu comme si je poste, ça m'est arrivé de poster des vidéos sur de la pédocriminalité. J'espère qu'ils ne vont pas aller jusqu'à me traiter de pédophile ou de criminel ou de pédocriminel parce que j'ai posté ça pour dénoncer. Vous voyez un peu? En fait, c'est l'inversion des valeurs. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis déjà retrouvé avec une privation de liberté, ce n'est pas la première fois, pour mon combat. Et notamment, dernièrement, je me suis trouvé avec une privation de liberté sur des propos mensongers que j'ai négligés. Je ne suis pas un guéri en tant que tel. Ah, là, je deviens, en fait, je deviens, mais je n'étais pas. Je ne voyais pas du tout la nécessité de faire du va-t'en-guerre, quoi. Mais quand ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, sur des propos mensongers, sur des diffamations, sur lesquelles je n'ai pas trouvé nécessaire de réagir, et voilà. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, ah ben tiens, je dénonce quelque chose, on me dit que j'incite à la haine. Je dénonce. Et donc, je vous mettrai certainement le lien de cette vidéo que j'ai dénoncée. Ils l'ont supprimée, mais je l'ai bricolée. Je l'ai récupérée. D'ailleurs, qu'elle existe hein, sur le net. Hein. Il y a des vidéos des rabbins, collecteurs des rabbins qui passent leur temps à dire des immondices, ainsi de suite. Mais alors, ce que je voulais préciser quand même, parce que deux fois qu'on puisse sous-tendre, on ne sait jamais, qu'en dénonçant ces choses, je m'attaque aux juifs. Je voulais que ce soit clair. Moi, dans ma tête, juif, ce n'est pas ce qu'on nous a présenté actuellement comme juif. D'ailleurs, même les juifs, les dits juifs, les autoproclamés juifs, reconnaissent qu'ils ne sont pas des juifs d'origine. Donc là, ce n'est pas un sujet, on ne va pas tergiverser dessus. Mais ce dont je voulais vous entretenir, c'était que il faut savoir que les judéo-maçonniques sionistes, talmudiques, francs-maçons, illuminati, Ku Klux Klan, tout ce que vous imaginez comme secte satanique se cache derrière l'Église. Donc, il se cache derrière les musulmans, il se cache derrière les catholiques, les chrétiens, peu importe, il se cache derrière les juifs. En réalité, c'est des entités qui ont infiltré toutes les structures de la société, mais pour la détruire. Donc même, c'est vrai que je peux concevoir que quand on dit juif, c'est péjoratif. C'est un peu comme si on disait un boche. C'est péjoratif. Ça, j'admets. Donc, j'ai écrit une lettre à ces gens, à la LICRA, parce que j'ai téléphoné. J'ai demandé à avoir des explications. La personne que j'ai eue à Paris 1er m'a dit qu'elle devait me mettre en contact avec un avocat une fois que j'ai eu à lui expliquer clairement de quoi est-ce que ça relevait et quelle était ma détermination si je n'avais pas d'explication précise parce que je n'étais plus prêt à me faire avoir comme ça. Vous voyez? Quand on est naïf,
une fois, deux fois, trois fois. Après, ça devient une volonté, vous voyez. Donc là, je me suis dit, tiens, s'il ne m'explique pas clairement où est-ce qu'il y a de l'incitation à la haine quand même, dans mes propos, ben, je serai obligé de les porter plainte pour diffamation. Je le dis, ils le savent, j'ai téléphoné hier, j'ai fait une lettre, ils l'ont, cette lettre. J'ai attendu le coup de fil de l'avocat avec qui je devais causer, rien, j'ai rappelé, rien. Donc, j'ai reprécisé dans ma lettre que sans réponse de leur part sous une semaine, je serai obligé de me protéger, donc de déposer une plainte pour diffamation, pour calomnie à ma personne. Vous voyez où est-ce qu'on est obligé d'arriver pour se protéger? Parce que vous voyez un peu comme ça, vous négligez ça. Et ils vous font des problèmes de là. Donc vous leur demandez gentiment de vous expliquer où est-ce qu'il y a de la haine. Excusez-moi. Où est-ce qu'il y a de la haine dans vos propos, dans ce que vous dénoncez? Je ne comprends pas. Dénoncer quelque chose devient de la haine. C'est l'inversion des valeurs, mes amis. Voyez-vous, toujours est-il que là ce soir, je me rends compte que ben, je vais sur. En fait, il y a. D'ailleurs, merci Mehdi, Mehdi, on causera. Oui, au sujet Mehdi 2015, j'ai un live, j'espère qu'on va le faire, j'ai un live avec lui demain. C'est un être humain. Comprenez juste ce que je vous dis. C'est un vrai de vrai. Bon, bref. Donc, Mehdi, il a signalé que j'avais des soucis avec la chaîne. Il y a bien d'autres qui ont signalé. En tout cas, c'est Mehdi que j'ai vu. Si d'autres ont signalé, je m'en excuse. Ah, si, l'Agora de Toulon a également signalé, autant pour moi. Mais bon, bref, je vous remercie tous et toutes et tous, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au cas où, on ne sait jamais, hein, parce que là, c'est un coup de hasard. Je ne sais pas si c'est ma lettre qui a fait que les choses se rétablissent. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'était la LICRA qui avait fait cette dénonciation pour incitation à la haine. Lorsque je les ai demandé des explications concernant justement les incitations à la haine, je leur ai demandé de fouiller toute ma chaîne du début à la fin et de voir une seule phrase, un seul mot où j'ai appelé à la haine. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'ils soient convaincus. J'en sais rien. Bon, bref, j'ai ma petite idée dessus, on ne va pas tergiverser à ce sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que inscrivez-vous sur le nouveau site dont je vais vous mettre le lien. C'est Insoumis Soutien aux Gilets Jaunes Ngan. Insoumis Soutien aux Gilets Jaunes Ngan. D'accord? Je vais vous mettre le lien dessus. Au cas où cette chaîne finit quand même par sauter parce que je suis quelqu'un qui incite à la haine, vous aurez cette autre chaîne pour que nous continuions à inciter à la paix. Vous avez bien compris ce que je dis. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie encore infiniment Mehdi et toutes celles et ceux qui ont fait le relais de l'information. Mais pour le coup, inscrivez-vous sur cette chaîne. Ce sera une chaîne de secours. On ne sait jamais. Compte tenu des sujets que nous traitons, ça ne les arrange pas. Moi, je vous dis, nous sommes en train d'aller dans une guerre civile. Si vous voyez le cheminement des choses, comment est-ce qu'ils dessinent les affaires? Comment est-ce qu'ils montent la tension? Comment est-ce que les pseudo-leaders choisis par les médias... moi, je comprends ce que je dis quand je dis les pseudo-leaders choisis par les médias. Et les médias ne sont pas nos amis du tout. Quand vous voyez comment ça se passe, hein, franchement, ne soyez pas surpris. Donc, un homme averti, à vos deux. À vos deux. Retenez-le. Faisons la paix. Faisons de la désobéissance civile. Ça ne fait pas couler du sang. Du boycott. Ça ne fait pas couler du sang. Il y a bien d'autres techniques encore qu'on peut utiliser. Et ça marche.
On n'est pas des esclaves de qui que ce soit, nous sommes des êtres humains souverains. Ne l'oubliez jamais, mais jamais ne l'oubliez, les amis. D'accord? Alors, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous invite à ne pas oublier ce que je vous ai dit. L'essentiel de cette vidéo, c'était d'aller vous inscrire, d'accord, sur la chaîne secondaire, au cas où, parce que tel que c'est reparti, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec la LICRA, avec le CRIF, c'est pas la première fois. Donc, tel que c'est reparti, je serai prudent. D'autant plus que je ne sais même pas comment j'ai pu avoir l'occasion de nouveau de pouvoir. Voilà, de pouvoir produire. Ça se peut, ils se sont rendus compte que effectivement ma détermination était telle que on ne pouvait pas m'accuser d'incitation à la haine. Je sais pas, je déteste pas les gens, genre, je sais pas ce que je peux vous dire, mais moi je mets tout le monde à défi, tout le monde à défi. Je ne suis pas quelqu'un qui me cache, hein, de démontrer que j'ai, je sais pas, non, c'est même pas ce que je veux dire. Personne ne vous dira du mal de moi. Voilà. Personne. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Personne. Voilà. Ouais, les gens comme les Laurent Gbagbo, ses ennemis, ses amis, disent que c'est un monsieur qui est juste, qui était honnête, qu'on ne pouvait pas corrompre avec de l'argent, qui voulait juste le bien de son peuple. Et bien, il est en prison. Il est en prison parce qu'il est juste. Alassane Ouattara, ce criminel qui détourne l'argent des pays, qui a vendu les pays africains au FMI, eh bien le pouvoir, il est protégé. Ça s'appelle l'inversion des valeurs. Quand vous êtes correct, vous n'êtes pas bien pour la société. Et c'est ce qui se passe. Retenez-le. Maintenant, de quel côté la LICRA se trouve pour se permettre de me dire que je fais de l'incitation à la haine, c'est inquiétant. Ce sont des petits détails comme ça qu'il ne faut jamais laisser passer. Je vous ai toujours dit, le diable se cache dans les détails. Donc, il va falloir que la LICRA me démontre par A plus B maintenant, parce que je ne sais pas si c'est eux qui ont retiré leur contestation, leur revendication. C'était écrit, hein? Il n'y avait pas que la LICRA, mais c'est sur elle que j'étais, toutes les associations SOS antiracistes, ceci, cela. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais on se demande à quoi ils servent en réalité. Vous voyez? Bon, bref. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Allez, je vous aime. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, inscrivez-vous. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.